Ouais, je crois qu'on a assez glandé. On va pouvoir lancer le jeu. Start the game. Alors on joue en normal hein, parce que le jeu est vraiment difficile. Difficile et Nightmare c'est fait pour quand tu recommences le jeu. Hein. Le jeu est assez dur comme ça. Enfin dur. C'est du tactical quoi. Si t'as pas le niveau, si t'as pas les dégâts, si t'as pas les spells, tu te fais défoncer. Normalement il va trouver la sauvegarde que j'ai fait du chapitre 2. Avec mes 115 heures de jeu ou 105 heures de jeu. Sauvegarde trouvée de chapitre 2, oui. Combien? 105 heures. C'est cool. Pourquoi j'ai sauvegardé 15 000 fois à la fin? C'était pour remplir la page, me connaissant, je suis un mec comme ça, moi. Bah, je prends la dernière, why not. J'étais niveau 92. Du coup, normalement, j'aurais des bonus dans le jeu. C'est bon, ça commence? Année 1203 du calendrier septien. C'est l'automne et on est sur... L'arc de Libelle vient de s'écraser. Sur un vaisseau de voyage à travers le ciel sur la province esternienne. Oh, ce vaisseau du luxe. Le Lustinaria, je sais pas quoi. Gros nom de vaisseau. Lusitania. Vaisseau de luxe. Oh, les musiques. Non, je peux même accélérer. Parce que c'est du in-game. C'est du in-game engine, ça. C'est pas des cinématiques. C'est fait avec le moteur du jeu. Alors, le jeu est en anglais. Doublé en jap. Grâce aux versions évolution qui sont sorties plus tard. Je vais essayer de traduire du mieux que je peux. Ce sera du grosso modo. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? J'aimerais vous remercier d'assister à cette incroyable fête. J'imagine que vous savez tous que c'est un jour incroyable. Ah bon? En effet. En ce jour historique, il y a 10 ans, cette compagnie... et blablabla. Bla bla. On se fait vraiment chier. On dirait que vous vous ennuyez pas mal. Vous pourriez au moins faire semblant de vous intéresser à ce qu'il dit. Vous devez sans doute comprendre quel genre d'homme il est si vous êtes ici. Oh, je vois très bien qui c'est. C'est un marchand de la mort qui a fait fortune pendant la guerre des 100 ans, des 100 jours. Un des alliés et les hommes les plus riches de l'Empire. Et ça fait que quelques années qu'il a rejoint le groupe de réenforcement et maintenant il sert à bord de ce vaisseau en tant que directeur. C'est quelqu'un d'incroyable, ça c'est sûr. Et je dois dire qu'il est moins impressionnant en vrai que sur le papier. Que dans les histoires. Oh, vous devriez faire attention de ne pas faire ce genre de remarques en public. Ce masque que vous portez cache peut-être votre identité, mais il ne pourra pas empêcher ces hommes en noir de vous casser la gueule. J'avoue. J'imagine que je ne tiendrais pas longtemps si je le faisais. Il me ferait sans doute voler à travers cette fenêtre aussi facilement que quelqu'un jetterait un verre d'eau. Je peux dire que vous me paraissez assez intriguant. Est-ce que vous êtes peut-être un journaliste? Ou alors peut-être un officier du gouvernement?
Oh, je pourrais répondre, mais en quoi ce serait drôle si je vous disais qui je suis? Je préfère vous laisser penser et imaginer qui je peux être, mademoiselle. Oh. Mais mettons mon identité de côté. Cependant, ce vaisseau est quand même incroyable. C'est incroyable de se dire que nous sommes dans un de ces vaisseaux. Et pourtant, nous sommes ici, à des milliers de kilomètres du ciel, dans les airs. Eh bien, c'est un des tout derniers modèles. On peut sans doute l'apparenter à une œuvre d'art. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dire que c'est le plus grand vaisseau du monde. C'est un mensonge, ça. Mais 120 mètres de long, enfin, art, je sais pas ce que c'est, mais bon. C'est sans doute vrai. Il y a quand même le vaisseau dans le 2, il y a un vaisseau spatial, enfin un vaisseau mer comme ça, de fou, qui faisait la taille d'un continent. En tout cas, c'est peut-être le plus grand que le monde connaisse. Exactement. Ah, vous savez, en tout cas, comment rendre une femme curieuse. Et même avec ce masque, ce n'est pas un secret de voir que vous êtes aussi jeune. Je me demande combien de fois vous portez ce masque et vous baladez dans les fêtes pour draguer les meufs. Ah, on dirait que ce masque ne peut pas cacher tous mes secrets. Peut-être que je devrais m'échapper avant que vous n'en appreniez plus sur moi-même. Oh, si vous devez, mais bon, ce serait mon plaisir de continuer à vous tenir compagnie. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un peut kiffer la vibe avec son pote et avec un inconnu sur un vaisseau spatial. Oh. On pourrait peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus confortable. Oh, je serais honoré, ma chère dame. Mademoiselle. Mais seulement si vous me promettez que les déesses ne regarderont pas, elles pourraient en être rouges de jalousie si elles nous voient. Pendant ce temps, je ne demanderai pas pourquoi votre chambre ne serait pas un endroit acceptable. Et je vous remercierai de ne pas me poser la question. Allez, tire-toi. Ça drague dur, hein. Pouette. Bon, la fête bat son plein, c'est le bon moment pour y aller. Ta chambre privée doit être à l'étage supérieur de ce vaisseau, il faudrait que j'essaie de le trouver. Allez, on s'y met. Ok, je peux jouer. Ah merde, la touche rond c'est une touche de... Ma touche de scène, c'est une touche qui fait... Tu sais quoi, j'ai changé ma touche de scène, je changerai la touche dans le jeu. Mais ma touche de changement de scène, c'est la touche qui met pause, par défaut. Comme quoi ce jeu veut nous faire chier jusqu'au bout. Hein. Mais bon, je m'habituerai à une nouvelle touche de scène, ne serait-ce que pour ce jeu. Enfin, ne serait-ce que pour ce stream. Parce que j'ai pas envie de relancer le jeu. Personne n'a envie de relancer le jeu. Voilà. Ça ira. Je peux pas tourner la caméra. Alors je pourrais parler à tous ces pecnos, mais voilà, ils disent pas grand chose. Ce genre de dialogue, je les lirai de travers. Regarde s'ils disent des trucs intéressants, mais bon. Ils sont tous en train de sucer la bite au mec qui fait la fête sur ce navire. On sait pas encore pourquoi on est là ni qui on joue. Y'a que des mecs masqués d'ailleurs dans la soirée. Ok. Il cherche sa femme, c'est sans doute la meuf qui m'a parlé.
Could this be madame... Est-ce que ça pourrait être l'homme de madame Frisky? Peut-être. Elle est encore là? Je peux aller lui parler? Ah non, elle... ah si, elle est là. C'est elle? Ah, elle se fait draguer par l'autre. Elle est chaude, hein. Est-ce que je peux parler au mec, là? Oh, vous savez faire des fêtes, Conrad. Oh, quel homme riche qui fait des fêtes dans des vaisseaux aussi incroyables. Incroyable. Ah, oh, vous êtes mes... Si mes invités sont satisfaits, c'est que j'ai fait mon boulot. Oh, il lui suce la bite. En tout cas, la fête d'aujourd'hui n'est qu'une petite diversion comparée à ce que le futur nous prépare. Ok, ils vont faire la fête toute leur vie. Là, c'est une fête incroyable. En tout cas, il y a des personnes intéressantes ici. Il y a le marquis balade. Il y a this guy's un président d'un grand truc de joaillerie. Ok, ils sont bien occupés. Nous, on va pouvoir les foutre la merde. On va parler aux gardes. On est là pour la sécurité. Oula. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. J'ai l'impression que quelqu'un m'observait pour une minute. Pendant une minute. Ah, oublions ça. J'ai du boulot à faire. Ta chambre est sur l'étage supérieur du vaisseau. C'est là-bas qu'il faut que j'y aille. Allons-y. Merde, en fait j'ai pas changé la touche, c'est ça? J'ai changé la touche et j'ai pas sauvegardé. Je suis vraiment un mec intelligent. Bah non, ça marche pas. Je suis sur quelle scène? Legend of Heroes, non? Oh, je vais mettre la touche 2. Ça marche pas. OBS peut pas comprendre. OBS est trop con. Allez, je vais effacer. Je vais appliquer, ok. Du coup, là, ça change toujours. Ah, ok, OBS est possédé. Bon, c'est pas grave. Si OBS est possédé, je vais trouver une solution différente. Transition. Ah mais merde, non, transition. Oh, dessiné. Je suis pas malin en fait. C'est pas moi, c'est pas OBS, c'est moi. Wakarimashita. I'm sorry, dude. Je vais mettre transition ici, je vais mettre 3. Ok. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas facile, hein. Après, streamer ce jeu, c'est genre un truc impossible, en vrai. Mais bon. À part si les gens parlent anglais. Ok, il m'a demandé mon invitation pour voir. Putain, mais même ce dialogue nul avec le mec, c'est doublé, quoi. C'est incroyable. Un coffre. Alors, il y a un truc intéressant avec le jeu, c'est qu'on peut parler au coffre après avoir looté. Et les coffres te disent un petit truc marrant. Le coffre de trésor révèle son intérieur qui est... Hein? Ah non, révèle qu'il est en fait une mimique et se lèche les babines de manière inquiétante. Il faudrait peut-être s'écarter et se désinfecter les mains. D'accord. Ah ouais, il te lèche même pas les babines, il te lèche les mains. C'est pour ça qu'il faudrait s'écarter pour et se désinfecter les mains. En effet, c'est effrayant. Et parler au coffre après avoir looté, c'est important. Parce qu'il y a toujours des trucs cool. Alors la librairie. On peut parler au livre? Ah, Carnelia. Carnelia, je connais l'histoire. Je vais quand même tout lire, histoire de... Au cas où il y a un achievement. Mais c'était l'histoire qu'il y avait dans le 2, je crois. Ou le 1, je sais plus. Et tu trouvais les livres à travers tout le jeu. Et là, ils te les mettent tous au cas où t'as envie de les lire. Parce que tu les as peut-être pas trouvés dans les anciens jeux. J'espère que le son du jeu est pas trop fort. Parce qu'il est quand même fort. Hein.
En vrai, ça a l'air d'aller. J'ai eu le 4, j'ai eu le 5. Si vous avez envie de les lire, faudra aller de pause rapidement. En vrai, c'est impossible, je spam trop vite. De toute façon, ils sont sur le net, hein. Ah ouais, c'était enfoncé, ça marche pas. Et en vrai, c'était intéressant comme histoire. Là, faut aimer lire. De toute façon, dans ce jeu, faut aimer lire de... globalement. Poilalette, poilette, 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 poilette. What? Et juste parce que je crois que j'ai loupé le l'avant-dernier chapitre, je sais pas pourquoi, je le refais. Ouais, j'ai pas eu d'achievement, Fitz Batman. Oh, ce sont des livres incroyables! Incroyables des bouquins. Ah, c'est comme ça qu'on accélère, putain, c'est vrai que c'est bien. La bibliothèque du vaisseau, I hope you enjoy relaxing time, ok. Can't seem to relax on this boat. Everything's so fancy and luxury. It's all too much for a normal like me. Tout est trop incroyable pour ce vieux. Un coffre. The P charge. C'est la mana, les IP. The message. Mana, but one true love is in journal. Un petit message est écrit dans le bouquin. Rappelez-vous, il n'y a qu'une seule vérité. L'amour est éternel. Merci, monsieur Koff. Ah, excusez-moi. J'imagine que vous êtes un invité. C'est quand même dingue, ça l'a dit. La fête, c'est là-bas. Alors, barrez-vous. Merci, madame. Encore? Oh, on peut jouer? Non. Dans les jeux, il y a toujours un casino, mais là, c'est sympa. J'ai pas l'impression que je puisse jouer. C'est l'intro aussi, ce serait con. J'ai pas vraiment encore de pognon. Barrons-nous. Oh putain, double chest. P-charge. Terraball. We need to talk. On a besoin de parler. Tarte fraîche. Très bien. On se bat. On va aller par là. C'est mauvais chemin. J'ai besoin d'aller à l'étage. Très bien. Alors c'est le nouveau volet, le nouveau modèle de vaisseau. Je peux pas vraiment dire que je suis habitué au son de ces moteurs. Mais que c'est un nouveau modèle. Que cet homme peut être aveugle. Ouais, il se rend pas compte qu'il est dans le vaisseau incroyable. Luxaria, je sais pas quoi. Ok, la porte est fermée là. Là, il y a un gars, j'ai envie de lui parler. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous foutez ici? Si vous cherchez le deck d'observation, vous pouvez passer la porte qui est là. Si vous cherchez pour la zone de fête, c'est en bas. Très bien. Mais genre... est-ce que je peux vous aider, monsieur? Non, désolé. Ah, je dois pas aller par là. Ok. Deck d'observation. Incroyable, c'est beau, tout est bien. Yes. Ils font les mecs qui se draguent. Ils disaient quoi, ça a l'air mignon. Oh, je sais que votre père ne m'a, enfin il ne m'approuve pas à cause de mon de ma classe sociale. Et malgré tout, laissez-moi franchir le pas et me comporter comme un homme aujourd'hui. En tout cas, tant que j'ai ce masque. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous voir aujourd'hui. Vraiment, même si mon père vous trouve... Oh là là. Les jeunes amoureux, mais...
Ils peuvent pas être ensemble parce que le papa les aime pas. Fermé ? Ok. Et aller par là en bas, ça a l'air d'être la mauvaise idée. Ok, je peux pas en aller par là. Du coup, faut que j'aille par là. Bah, vous savez quoi ? On va faire une première sauvegarde. Save. Tananan. 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 Ah bah regardez, j'avais déjà sauvegardé comme ça la dernière fois. Oh, ça va override avec 2 ans plus tard, c'est quand même dingue. D'accord. Arrêtez-vous ici. C'est vrai qu'il faut que je switch. L'escalier mène au quartier privé de Sir Conrad. J'ai bien peur de vous demander de partir. Oh, je me disais bien que vous allez dire quelque chose comme ça. Cependant, je suis désolé. C'est votre... Ce n'est pas votre jour de chance aujourd'hui. What? Le flashouilleur de Men in Black? Qu'est-ce que vous faites? Blap. Oh! Let's go, man! On dirait que ce sont des troupes de Jaeger. Je ne dirais pas qu'ils sont bien entraînés, en tout cas. Ça va être du gâteau. J'espérais que tous les boulots que j'ai soient aussi simples. Mais attends, je peux pas voir mon statut pour le moment. Rien du tout, hein. Je vais baisser juste un peu la musique, parce que j'ai l'impression qu'elle me nique la race. Wow. Eh bien, en parlant de trucs incroyablement riches et inutiles. Bon, où est-ce qu'il l'a caché? Où est-ce qu'il a caché quoi? Ah, je peux interagir avec certaines choses. La plante. Ça doit être derrière cette armoire. Hein. Le truc sur le bureau, ok. On va commencer par ça. Il y a un bouton à l'intérieur de ce pot. Appuyez, oui. Switch ka. Douyara hitotsu dake dewa nasasou da. Qui veut parier que ce n'est pas le seul bouton? Ouais, il y a d'autres boutons. Il y a un bouton appuyé. Sate o tsugi wa. Où est le suivant? Il y avait un là, je crois. Appuyez, yes. Je doute que ce soit le dernier. Il y en a un ici. Ok, ça s'ouvre. Poilalette, poilalette, poilette, poilalette, 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 poilalette. Et nous y voici. Tout jusqu'à maintenant a été. C'est passé comme sur des roulettes. Ça veut dire que l'objet que je cherche doit être à l'intérieur. Un joli tableau. Oh. Il y avait un panneau avec plein de boutons et des lettres écrites dessus derrière le tableau. Un password ou quelque chose doit être. Un mot de passe ou quelque chose doit être rentré. Je me demande. Ah, oulala, faut pas que je me trompe. Comment ça s'écrit Orpheus? C'est un truc qu'il y avait dans les anciens jeux. Je suis sûr que c'est comme ça. Hein. Ouais, ça doit être ça. Yes, c'est ça. Yaharina. Je m'en doutais. On dirait que ma cible cette fois est un des jouets que nos amis ont décidé de distribuer un peu partout pour leur fun. C'est un des quartz chelous. Ça a l'air. Gusha no roketto.
The Fool's Locket. What? Un artefact qui permettrait de faire passer les mensonges les plus odieux de quelqu'un pour la vérité complète. Wow. Ça fait penser à une histoire que je m'étais dit. Vraiment pas le genre d'arme que t'as envie qu'un dealer possède. Nani! Je m'en doutais un peu quand même. Billy! Qu'est-ce qui est arrivé aux deux qui gardaient la rentrée? Sont tous les deux tombés de sommeil. On dirait que celui qui a fait ça a utilisé des fléchettes empoisonnées ou un spray ou quelque chose. Ouais, qu'on aura affaire à quelqu'un dans le même business que nous. On ferait mieux de le garder enfermé à l'intérieur jusqu'à la partie soit terminée. On pourra faire notre rapport à Monsieur Conrad plus tard. Et qu'est-ce que tu... Et quelles sont les chances qu'il agisse seul? En jugé par les vidéos de surveillance, je ne pense pas qu'il y ait plusieurs personnes. Mais bon, il y a de grandes chances qu'il ait du backup avec lui. Il serait judicieux de surveiller tous les invités jusqu'à ce que, pour le moment, on ne voudrait que personne ne puisse s'échapper. Hein? Ah. Est-ce qu'il y a juste de rigoler? Le mec qui frappe la porte. Arrête de rigoler. Oh non, je me disais juste que je devrais peut-être m'excuser pour vous avoir sous-estimé. Je me disais bien que vous étiez tous des Jaggers non entraînés et vraiment à chier. Mais bon, j'imagine que vous avez un minimum de standing. Espèce de connard. Au moins t'as des couilles, je peux te l'accorder. Je sais pas pourquoi t'es venu ici, mais tu devrais savoir qu'on travaille pour Mr. Conrad. Et que ce n'est pas un homme... Ce n'est pas un homme non cruel. Comment on dit encore? Merciful. C'est un homme sans pitié. Tu ne t'en sortiras pas en une seule pièce. On va te casser la gueule, quoi. Tu fais tellement le malin, tu veux vraiment qu'on te bute. Eh bien, vous ne trouvez pas que ce serait marrant? Heureusement pour vous, j'ai déjà mon prochain rendez-vous en ligne. Du coup, je n'ai pas le temps de combattre. Et merde! Comment? Ah, j'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt. Vous voudriez vraiment reculer un petit peu de cette... par rapport à la porte. You wanna step back? Oh, j'adore ce spell en plus. Je vais l'utiliser direct. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais comment il a fait? Oh, vous devez vraiment pas savoir comment on peut retenir quelqu'un comme moi. Mais bon, je suis pas fan d'utiliser ce genre de méthode, mais bon, m'avait pas laissé le choix. Oh, Kevin! C'est une blague! Un prêtre! Père Kevin! Eh ouais, c'est légit et tout ce que vous voulez en plus. Alors si vous êtes intéressé par faire une petite confession, je serai heureux de vous écouter. Avec un peu de... Je sais pas comment traduire ça, c'est genre en vous cassant la gueule en bonus. Et vous, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à confesser.
Ne l'écoutez pas. Défonce-lui, pétons-lui la gueule. Oh, je m'attendais plus à ce que vous ne m'attaquiez pas ou que je sais pas. Bref, si vous êtes chaud pour combattre, je vous casse la gueule. Allez, go. Ah, le premier combat du jeu. On va leur péter la gueule. Ça va être easy. Alors, attendez. Faut que je me rappelle comment on joue au jeu. Les spells. Oh putain, il a full spell. Ouais, il a full spell. Hellgate. Je pourrais faire Hellgate. Mais le temps que je le lance, ils vont se déplacer, non? Ils ont quoi comme vulné? Aucune vulné. Y'a quoi d'autre? Heart Wall. Stone Impact. Titanic Roar, ça touche tout. J'ai combien de mana? 350. Ah ouais, je peux lancer des spells quand même. Et en craft, j'ai aucun point de craft. Je pourrais faire une auto-attaque, mais je crois qu'il est pas très fort en auto-attaque. Ils ont full PV. 1008, 1008, 2006. Bon, on va faire le spell que j'aime bien, Hellgate. Je sais que c'est fort, ça. En espérant que ça touche quand même tout le monde, s'ils se rapprochent de moi. Ça va, ils font 0 dégâts. Ils font 0 dégâts. Ah, je vais en toucher qu'un, c'est chiant. Là, ils ont pas assez avancé parce qu'eux, ils ont des guns. Bon, c'est pas grave. Je peux rejouer derrière. Bah, tu sais quoi, je vais le terminer avec une auto-attaque. Wow, 1002, ça va, je fais des dégâts. Ça va, à chaque fois que je prends des coups, je gagne des points de craft qui montent avec le temps et qui me permettent de faire des compétences physiques, on va dire. Et qui n'utilisent pas de points de mana, mais des points de compétences, on va dire, des CP, compétences point. Et IP, c'est genre, je sais pas quoi, point. Energy point, peut-être, pour faire des spells différents. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple? À gauche aussi, on a l'ordre des tours. Et c'est sympa, parce que quand tu claques un spell, il va le caster. Et puis, quand ce sera son tour, il le lancera, tu vois. Du coup, on voit que je joue deux fois de suite. Une fois pour casser, une fois pour lancer. Genre, quelle attaque est forte? Je peux faire Earthlands, je crois que c'est fort, ça. Et en plus, je vais avoir un bonus de vie, le petit cœur jaune plus 10, ça veut dire que je vais gagner 10% de PV, je crois. Là, je le casse, là, je gagne les PV, là, je lance le spell. Oh! Ça fait mal. Lui aussi, il a gagné des PV, mais bon, c'est pas grave. Je vais voir un peu les crafts que j'ai avec lui. Alors, ça, c'est pour Chain, mais il me faut des collègues. Combo attaque, Concealed Blade and Arrow. Ça c'est un combo avec l'arc et l'épée. Secret Breath, ça c'est un heal. 2500 en zone. Ah ouais, une grosse zone en plus. Sacrifice Arrow. Je sacrifie mes propres points de compétence pour augmenter les points de compétence d'un coéquipier de 40. Et ça, une attaque de zone. Avec des lances depuis le sol. Mortal Punishment. On va essayer le combo pour voir. Ah mais merde, c'est trop loin. Immortal Punishment, vas-y, test. Ah, c'est bien. C'est très très bien. Enfin, niveau 90, ça va être bien. Oh, on gagne pas de ses fils. J'ai gagné un truc salé. De la bouffe. C'est un chevalier du Graal. J'ai entendu des rumeurs à propos d'eux, ils sont trop forts. Aussi curieux que je suis, je vais peut-être pas demander les histoires que t'as racontées, que t'as entendues de ma part. Mais t'inquiète pas, je suis là que pour mon client. Donc vous pouvez aller, vous pouvez rester ici et dormir aussi longtemps que vous voulez, ok? Moi je me barre. Espèce de monstre. Blanc. Allez, Nyctaras. Ok, j'ai obtenu ce que je voulais. Maintenant faut que je retourne à la fête et que je finisse ce boulot.
Oh, ça craint que je doive m'en aller alors que j'ai pas pu profiter de l'offre de cette jeune demoiselle. Oh, elle avait l'air super incroyablement belle et ça se voyait que son mari ne faisait rien d'intéressant avec son corps. Mais bon, j'aurais pas joué avec le feu aussi fort. Ouais, t'es quand même un prêtre, mec. Reste calme. On peut se barrer, je pense. Je crois qu'on peut se barrer... Par où? Par là, je peux pas passer. Hein. Ok. Est-ce que j'ai accès au... Est-ce que j'ai accès au menu du jeu, maintenant? Yes. Statue. Non, ça va. Alors, statue. Oh, il est tellement stylé, Kevin Graham. Niveau 90. Il a beaucoup de points d'attaque spécial. Ouais, c'est vraiment un mage. Hein. Mouvement 4, agilité 15. Ok. Ah ouais, c'est vrai que son ultra, c'est une défense optimisée. J'ai aucun item en plus. Non. Ok, Ormond, on va check un peu. Oh putain mec, j'avais oublié ce système de compétences incroyable. Action, ça c'est obligé d'avoir action, il est obligé d'avoir... Ouais il peut mettre que celle-là. J'en ai pas dans mon inventaire, ça le truc. Alors si je retire celui-là... Attends, est-ce que je retire information? Non, je vais laisser comme ça, cast 2. Non, c'est assez. Juste un peu d'item de heal. La tactique peut rester là, ok. Bon, on va encore vouloir m'attaquer? Ah mais les gars, c'est terminé. C'est terminé en fait, vous êtes morts. Le spell qui les one shot là. J'ai pas un spell intéressant. Single attack, ascension. Je me demande un peu comment c'est ça. J'avais pas ce spell avant. Plop. Ouf, ça one shot. Ah, il a survécu. Taras, faut que je fasse une AOE maintenant. Ouais, mais faut que je fasse une AOE plus grosse. Stone Impact. Au 100%, ça touche les deux. Ah, mais lui, il va bouger avant. Ah, mais merde. Est-ce que je fais ça? Non, on va quand même pas faire ça. Tuer les deux là, ça va être compliqué. Je vais obligé de me faire toucher par l'autre. Ouais, je suis obligé. Autant tuer celui-là alors. Là, il m'attaque pas. L'autre il m'attaque. Alors, plant. Voilà. Let's go. Il va y avoir un autre combat, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, des chiens! Ils ont une vulnée ou pas? Aucune vulnée. 3700 PV? Ah ouais. On va essayer ça en AOE. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, mais ça fait pas beaucoup de dégâts non plus. Ok, il m'attaque pas. Et lui, blah. Ouais, ça va, il faut pas très mal. J'ai quand même beaucoup de niveaux là. Cross gear. On va tester pour voir comment ça fait de dégâts.
pas incroyable. Aïe. Merde, je peux plus faire là-haut. Et si je fais un spell? Je joue après eux. Oh, ils doivent être rapides. Même Hellgate, ouais, je joue après. On va one shot lui. Ça. Les auto-attaques font assez de dégâts. Putain, mais il fait mal avec son rush lui. Taras. Mais en vrai, ce spell c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur spell. C'est une attaque donnée. Normalement, j'ai le livre des compétences du jeu, non? Ah non, pas encore. Il a paniqué. Mais qu'est-ce qui se passe? On va s'écraser. Qu'est-ce qui se passe? On est... Oh, le pauvre mec, il a raté sa chance de s'échapper. Mais j'ai l'impression de... J'ai l'impression que c'est un visage familier, mais bon, je vais le laisser ici. C'est peut-être le même mec qui... Aldan. Est-ce qu'il me dit un truc, Aldan? Je crois que c'est... Il y a toujours un mec qui était comme ça... Dans les situations difficiles sur le jeu. Dans le chapitre 1 et 2. Je suis presque sûr que c'est de lui dont il parle. Pas, je peux toujours pas partir. Hein. Ouais. Hey, je me demande ce qu'il y a là, je peux pas y aller. Et bref. On va défoncer les mecs là. Nice. Pas de blabla, de l'action. Mortal Punishment, ça me paraît très bien. Ça permet de commencer avec une AO direct. Ce qui est bien avec les compétences de Crab, c'est que voilà, tu les lances sans devoir caster. Du coup, t'as initiative. Peut-être mieux il est, hein. Au cas où il y a un boss après. 2500 PV, 6000 PV. Faut savoir qu'on commence niveau 1 dans le chapitre 1. Mais les niveaux sont conservés. Genre on arrive niveau 50 vers le 2 et puis niveau 90 là vers le 3. Ça fait du sens. C'est pas n'importe quoi. Ah, par contre le truc des events, il est mal placé. Attendez. Pas où le mettre. Mettre au-dessus de ma tête. Et du coup, je vais peut-être inverser sur Streamlabs. Un instant. Je viens de voir, il est en plein milieu des PV de trucs, il est illisible. Tac, tac. Je fais un petit flip X. Voilà, il va se reload normalement. Voilà, il marche. Nickel. Merde, faut que je reclique sur le jeu. Ok, cool. Il va encore me dire ouais, que je dois pas aller par là. Peut-être sauvegarder. J'ai peur qu'il y ait un boss, je m'en rappelle plus. Pour l'instant, je peux se. Ouais. Encore ? Ça en fait des combats. Hein. Ah merde, là, ils sont trop espacés. On va peut-être attendre. Y'a pas une AO que je peux placer sur la zone? Genre. J'ai pas le truc de cristal de glace. Pétosphère, c'est pour. Enfin, pétosphère. Clock up, earth wall. Ça, des trucs de PV. Pas des trucs de soins. Dark Matter, c'est une attaque? Ah ouais. Ça peut pas être très puissante. Oh, elle coûte cher. On peut faire Titanic Roar, hein. C'est une attaque sur toute la zone qui est assez puissante, juste pour le fun. Alors je vais speed up leur partie, hop. Normalement ça fait très mal.
Oh ça va, ça fait des dégâts moyens, mais bon c'est sur toute la map, du coup c'est quand même bien. Est-ce qu'elle est dans les portes? Ah les portes sont verrouillées. Toutes? Ah j'ai bien fait de récupérer les coffres hein. Genre il le demande, vous pouvez pas juste vous écarter, me laisser passer, de toute façon je vais vous casser la gueule. Comment oses-tu? On va te casser la gueule nous. Qu'est-ce que tu en sais de tout ce qu'on a enduré pour combattre et protéger notre peuple? On va pas te laisser nous humilier à ce point. Tu vas souffrir. Oh, très bien. Et tout ce que vous avez. On va juste leur casser la gueule. C'est des randoms. C'est vrai qu'on peut utiliser l'ultra de. Mais attends, son ultra c'est un buff de def. Tout ça à rien. Ah, ils sont pas assez paquets. Ouais. Je vais quand même faire ça. Histoire de blesser les deux chiens. Ouais, sinon pas mal de PV. Voilà, par contre, ils sont bien paquets. Hein. Non, mais en fait, je vais spammer cette compétence. Hein. Elle fait assez de dégâts pour que ce soit intéressant. Parce que là, je vais tous les toucher. Oh là là, la barre! C'est bien comment les mobs ils explosent et les ennemis ils tombent au sol. Après, les mobs, c'est des robots chiens. Non mais nique ta race. Il a plus de PV. J'ai level up, GG. Parfait. Maintenant, je vous préviens, il va y avoir 2 heures de dialogue. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un intrus. Quelqu'un de compétent en plus. Un intrus, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous paye pas pour rien. Trouvez-le, s'il est encore en vie, qu'il soit en vie ou plein de trous, c'est votre problème. Oh, me capturer mort ou vif, c'est beaucoup trop demandé pour ces mecs. Ça va tellement faire le beau gosse, Kevin. Mais bordel, qui êtes-vous? Attends, un prêtre? Non. Je me disais bien que quelque chose comme ceci était en votre possession. Mais tout du moins, vous avez entendu parler de nous. Comment oses-tu? Rends-moi ça, c'est à moi! C'est mon jouet! Mauvaise réponse, ceci appartient à la déesse et je vais avoir le devoir de lui ramener. Ce n'est pas quelque chose que des simples mortels comme vous puissiez garder. Tuez-le.
Tuez-le et rendez-moi cet artefact. Au secours. Oh, il est cheaté. Hermann Conrad. 教会法に基づき Eidos の名において貴殿の身柄を拘束する。En accordance avec les lois de l'Église et au nom d'Adios, je vous mets sous un état d'arrestation. Je vous accuse coupable de posséder un artefact non autorisé et illégal et une utilisation illégale de ce dernier. Ne crois pas que tu vas t'en sortir ainsi. Tu fais peut-être partie de l'église, mais je suis un directeur de Rienford. Si tu poses une main sur moi. Oh, t'inquiète pas, on a déjà réglé ce genre de problème. J'imagine que tu sais déjà comment tu as agi aussi de manière aussi stupide ces derniers temps. Tu as posé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, tu sais. Des mecs comme toi ont la mauvaise habitude de faire beaucoup trop parler d'eux. Alors accepte que ta chance est écoulée et que c'est terminé. Là. Tu veux pas me rendre la tâche un peu facile, n'est-ce pas? Eh ben, tant de boulot pour quelque chose qui devait être du gâteau. Capturer des mecs comme ça, vivants, et s'infiltrer dans ce genre de vaisseau, mais quelle merde. Arrête tout de suite! Otto! Oh, vous avez sorti toute l'artillerie juste pour moi. Non, je comprends pourquoi vous êtes aussi populaire. C'est du boulot assez rapide d'être déjà préparé et avec une armée pour me capturer. Ma gueule. T'en es peut-être sorti contre ces rigolos jusqu'à présent, mais ça va pas se passer comme ça maintenant. Et juste pour que tu saches, il y en a plein d'autres comme nous derrière qui attendent. Même si t'as un otage à utiliser, ça sert à rien. Oh là là. On est tous chanceux aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Et qu'est-ce qu'il raconte ce con? Si l'idiot qui est ici avait été accusé d'hérésie, j'aurais dû vous chasser jusqu'au dernier moi-même. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Mais bon, je n'ai pas besoin de m'occuper de vous. Continuez à bien travailler pour votre nation ou peu importe. Simplement ne me donnez aucune raison appropriée de vous éliminer dans le processus. Oh, nique tout. Oh. J'ai dû quand même se niquer un peu une jambe là. Mais c'est stylé. Elle aurait pu au moins tirer dans la vide parce que là sauter dedans. Ces chevaliers du Graal sont des monstres. Graal Street. Vous pouvez les appeler comme ça. Oh, c'est qui lui? C'était un spectacle admirable. Kevin Graham. Et notre histoire ne fait que commencer, Kevin Graham. Eh ben, un masque dégueulasse, celui-là. Nani se watashi wa mada mezameta bakari nano dakara.
Après tout, je viens seulement de me réveiller. Oh, on a vu le vaisseau disparaître dans la skybox. Oh! Le son est pas très fort, mais je peux pas l'augmenter. Nihon, Falcom. J'adore comment ils disent le nom de la compagnie. Mais c'est dommage, on n'entend pas le japonais qui le dit dans ce jeu. Souvent sur Ease. Maintenant, on est parti pour 5 jours de dialogue. On dirait une chaussure. Ouais, c'est un vaisseau de l'église Septiane. Ouais, on va pas se faire chier. Graham Kyo, otsukaresama deshita. Félicitations pour votre job, monsieur. Otsukaresama desu. Exactement ce que je pensais. Warito assari to katazuita mitai desu ne. On dirait que c'était une mission assez simple au final. Comparé à ce qu'on fait d'habitude, ça l'était. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais pu m'amuser avec une jeune demoiselle, mais bon. J'ai dû terminer ce job un peu rapidement, c'est dommage, je vais devoir dormir tout seul dans mes larmes ce soir. Oh, pas encore vos délires. Vous voulez encore un sermon du commandant? C'est comme ça que vous devez vous comporter, alors s'il vous plaît, faites attention. Hey, hey. Ah, oh, je sais. Laissez-moi tranquille, vous deux, ok? Oh, je vous jure, j'arrive pas à croire que des têtes de nœuds comme vous étaient assignés avec un glandeur comme moi. Enfin, des gens carrés, plutôt. Je sais que ça peut vous choquer, mais vous faites partie du Dominion. Alors, comportez-vous comme tel. Vous pouvez pas vraiment faire n'importe quoi. Et vous avez besoin d'un minimum de backup. Vous pouvez pas continuer à vous balader tout seul. Et tant que vous travaillez pour ce vaisseau et que vous êtes notre commandant, que vous soyez un grandeur ou non, bah on sera là pour vous aider. Même si vous n'avez pas beaucoup d'hommes sous vos ordres, alors même si vous devriez avoir beaucoup plus d'hommes sous vos ordres. Peut-être que vous devriez prendre cette chance pour en avoir plus. Plus de larbin. Oh non, j'en veux pas. Ça va juste rendre les choses encore plus difficiles pour travailler s'il y a plus de monde. Oh, c'est exactement ce que je pensais que vous alliez dire. Mais on préférait vraiment que vous ayez plus confiance en nous pour vous aider.
Parce que tout ce qu'on peut faire dans ce putain de vaisseau, c'est vous déplacer. On n'est pas dans un taxi, je ne suis pas Uber, monsieur. Oh, vous dites ça comme si le transport n'était pas une grosse responsabilité en soi. Après tout, tout ce qu'on voulait, la dernière chose que l'on voulait, c'était qu'il nous capture et qu'il soit au courant de nous, un truc comme ça. Est-ce que quelque chose va mal, va pas ? Non, rien, vous inquiétez pas. Don't worry, be happy. Ok, en tout cas, selon le... Continuons comme le plan nous l'indiquait, il faut qu'on aille à Arteria. On devrait y arriver demain après-midi ou même aujourd'hui. Bien. What? C'est quoi? Arteria, on dirait. C'est un appel du commandant Silnate. Vraiment? Oh. Avoir un appel de sa part juste après une mission sur un mauvais signe. Bon, finissons-en. Vous pouvez la passer. Oh, le gros écran, je le sens. Il sort de nulle part, l'écran. Bonjour, Kevin. On dirait que vous en êtes bien sorti. Racontez-moi les détails. Eh bien, je m'en suis sorti sans problème. L'artefact est en ma possession. Il y avait des signes que la société était impliquée, mais on dirait que qu'ils ont coupé tous les liens avec lui il y a longtemps. Je vois, c'est ce que je pensais. Eh bien, j'imagine que tu mérites un repos mérité, mais je ne suis pas dans la possibilité de te le permettre jusqu'à maintenant. Et nous y revoilà. Quoi ? Un souci ? Non, continuez, madame. Eh bien. Même si je déteste te mettre ça sur le dos après une mission, il y a quelque chose que je voudrais que tu checkes pour moi. À propos d'un hérétique, j'imagine ? Non, cette fois, j'aimerais que tu récupères quelque chose pour moi. L'objet en question est gardé en dessous de la cathédrale de Grandsel. Grandsel ? Grandsel ? Est-ce que vous pensez que l'objet est en relation avec l'auréole ? C'est en effet une possibilité. Est-ce que je peux te laisser t'en occuper ? Très bien. Ok, mais on a déjà un artefact qu'il faut que l'on ramène jusqu'à Arteria. Donc je laisserai l'équipe ici le ramener et je vais me diriger vers Grandsel. Ça me va très bien. Et au final, tu ne seras pas vraiment tout seul. Je t'ai envoyé une rookie pour t'aider. Une genre de squire. Comment on dit squire encore ? C'est un... Pour un chevalier, c'est un... Putain, j'ai oublié le mot squire en français. Bref. Le mec qui aide le chevalier, quoi. Elle va te servir jusqu'à... Il va d'elle... Ah, ils sont plusieurs. Ils vont te servir jusqu'à... À partir de maintenant, alors fais attention, d'accord ? Mais attends, je veux personne pour aider. Tu peux pas m'envoyer une rookie comme ça, juste comme ça au pif. Pardon. Les rencontres dictées par la déesse sont toujours soudaines et non annoncées. Mais ne t'inquiète pas, ce ne sera pas un boulet. Tes compétences, enfin les compétences qu'ils ont démontrées pendant leur entraînement étaient vraiment spectaculaires. Donc je prierai pour ton succès.
Eh bien... Félicitations pour votre nouvelle recrue, j'imagine. Dire qu'on était simplement en train de dire qu'il vous fallait plus de personnes sur vos zones. Et j'étais vraiment pas chaud pour ça. Oh, elle changera jamais, je vous jure. Oh, si tous les gens qui lisaient ce livre avaient une idée de ce qui se passe dans la vraie vie. Carnelia, destaque. Oh, Carnelia. Vous parlez de Carnelia, oh, je me demande toujours si publier ce genre d'infos était une bonne idée. C'est vraiment une publicité pour dire qu'on existe dans le monde. Ouais, mais bon, une histoire pareille dans un livre pourrait aussi servir pour faire penser aux gens qu'on n'existe pas vraiment au final. Et en plus, l'héroïne meurt dans le livre, alors c'est la preuve que c'est un gros mensonge. S'il la connaissait vraiment, il pourrait savoir que c'est le genre de femme qui peut se prendre une balle dans la tête et demander une cigarette juste après. Faudrait qu'on ferme notre gueule. Voilà. Peu importe, en tout cas, vous avez entendu ce que le commandant a dit. Vous allez à Carnelia, et, enfin à Alteria, et moi je vais à Grand Salle. Continue à suivre la route et tout devrait bien se passer. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'ici? Va falloir qu'on rentre à Arteria et on peut pas vous lâcher juste comme ça. Vous pouvez me laisser près de n'importe quelle ville, je prendrai un avion. Ok. On dirait que le soleil se lève. J'aime bien quand on voit les skybox, les bords des skybox, parce que le jeu est censé être sur PSP. Et sur PC, les angles sont tellement plus gros. Et on voit des fois les bords des skybox. Et des décors. En tout cas, le prologue est terminé. Même jour dans l'après-midi. Dans le ciel de l'ouest de Zemuria, à plus ou moins 500 selges de Liberl. Oh. Sur le vaisseau, le Gretna. Oh, cette musique. Ils sont partis, je les vois plus. Je me demande s'ils sont en train de migrer. En tout cas, on dirait qu'ils peuvent pas tenir l'allure avec ce vaisseau. Ah, oh, j'imagine que tous les oiseaux ne vont pas aussi vite que Sig. Mais ils étaient tout aussi mignons. Mais qui est là? Qui est-ce là? Oh! Mais je te connais! Dorothy-chan! Alors, c'est vraiment toi, ça fait longtemps, Dorothy. Je pensais vraiment pas te croiser ici, quelle coïncidence! C'est ça! Ça fait plaisir de te revoir! Père? Kevin! Tu te rappelles pas de mon nom, c'est ça? Mais non, bien sûr que je m'en rappelle.
c'est tu t'appelles Billy. Oignon Graham. Mais bien sûr, quelle chance j'ai été de me faire appeler pas avec le nom d'un fruit, d'un légume. Mais c'est même pas mon nom. C'est même mon nom de famille. T'as vraiment oublié, c'est ça. Mais tu peux pas en vouloir à Dorothy d'oublier le prénom. Elle est comme ça. Ah non, mais c'est vrai que c'est son nom de famille, c'est le bon. T'as oublié mon prénom, mais quelque part, t'as réussi à te rappeler de mon nom de famille. Eh ben. Mais c'est juste que c'est moi, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai écrit un article incroyable sur les oignons dans le quartier est, dans les quartiers de l'est de Calvard. Donc forcément, les oignons sont dans ma tête. Je pouvais pas penser qu'un endroit avec simplement des oignons pouvait être aussi cool. Et c'était tellement bon, je te jure, et c'était confortable et tout et tout. C'est pour ça que j'ai dit oignon à la place de ton nom. Alors si tu insistes à ce point, c'est que tu as vraiment pas oublié mon nom. Alors c'est quoi? Bien sûr que j'insiste, j'oublierai jamais ton nom. Je suis tellement heureux de te revoir, Jasmine Graham. Bah oui, c'est tellement, j'ai tellement de chance d'avoir été nommé sous comme les plantes incroyables qu'est le jasmin. Et c'est même pas mon nom en plus. Et cette fois, c'est le nom d'une femme. Billy Graham. Je vois. Alors vous êtes vraiment Kevin. Alors vous êtes ici pour une investigation par rapport à ce qui s'est passé l'année passée, c'est ça? Enfin plutôt dans l'année. C'est ça. Et en plus, maintenant que j'y pense, qu'est-ce que tu fais sur un vaisseau international comme ça? Tu m'as dit que t'étais dans les zones est de Galvard, c'est ça? Pour écrire un article pour Liberal News à propos des oignons. C'est ça. Nial m'a laissé aller faire le reportage tout seul cette fois. Bon, c'est pas une bonne idée de sa part. Eh ben, c'était osé de sa part. Pas sûr que je voudrais te laisser gérer les voyages et aller faire un reportage à l'étranger tout seul. Mais bon, comme on le dit, c'est simplement en prenant des positions de responsabilité que les gens peuvent grandir correctement. Mais j'ai fait plein de trucs comme ça. Enfin, je sais pas trop ce que j'allais faire quand je suis arrivé à Calvard. Plutôt que le marché de Bose, mais je m'en suis sorti très bien. Quoi? Elle devait aller à Bose, elle l'a terminé à Calvard. Bah oui, il m'a dit d'aller à Bose, mais j'ai fini à Calvin. Alors Bose, c'est genre juste à côté de là où ils sont. Ça. C'est genre la porte à côté. Et quand je me suis retrouvé dans le vaisseau, je me suis endormi. Et avant que je le sache, bah, j'étais à Calvin. À la capitale. C'est bizarre, hein. On dirait que t'es monté dans le mauvais vaisseau en plus. Enfin, le vaisseau, ouais, vaisseau. Alors attends, laisse-moi récapituler. T'es resté dans la République de Calvard pendant des jours alors que t'étais même pas supposé être là-bas. Mais est-ce que t'avais au moins assez d'argent pour t'en sortir et ton passeport, oh idiot, c'est de nous. C'est
Ben, heureusement, il y avait quelqu'un de l'ambassade de Libère le, à l'aéroport qui a pu me, m'accorder un passeport temporaire, alors c'était cool. Et puis plein de gens étaient super cool avec moi et m'ont aidé pendant que j'étais là-bas, alors c'était cool. Oh, je sais même pas par où commencer. Niel doit être super inquiet pour toi. Mais il avait pas l'air aussi énervé quand je l'ai appelé hier pour lui dire que je rentrais au bureau aujourd'hui. J'arrête pas à lui dire pourtant que ces cigarettes qu'il fume, c'est pas bon pour lui. Mais il coûte jamais. Je pense pas que tu vas pouvoir t'en sortir en parlant mal de sa fumette cette fois. Merci à tous de voyager dans le Gretna. On arrive à Grande Selle. En 30 minutes. On voudrait que vous récupériez toutes vos affaires et allez vous asseoir. Enfin, on vous dira d'aller vous asseoir quand on arrivera. Mais pour le moment, continuez à kiffer. Eh bien, on dirait qu'on est bientôt arrivé. Bon, je vais me balader un peu dans le vaisseau pour tuer le temps. Et toi ? Je sais pas. Je vais peut-être aller prendre quelques photos du vaisseau international tant que j'y suis. Je trouve que c'est une bonne idée. On se voit plus tard. Incroyable, Dorothée. Eh bien, c'était bien pour le prologue. On s'en sort bien pour le moment dans le jeu. On a joué combien de temps, on va voir. Juste pour vous donner une idée comment ça peut être long. Hein. 1h14 de jeu. C'est incroyable. Bon, on va continuer tout de suite.